Au premier jour de l'an 2019, les valeurs de solidarité, de fraternité, d'humanité tout simplement, et les marqueurs d'identité indélébile de son peuple ont été mis à mal, dont l'anniversaire est de ceux qu'aucun peuple, aucune nation ne voudrait avoir à célébrer. Plus de 200 enfants du pays ont été massacrés. Il y a lieu de demander une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes que notre pays enregistre tous les jours. Parce que quand dans un pays, il est plus facile d'avoir une arme que d'avoir une bouteille d'eau, il y a lieu de s'inquiéter. Moi, c'est Dr Daouda Diallo. Je suis secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés pour la protection des populations vulnérables qui sont pris en étau aujourd'hui par les groupes armés qui sont en train de dévaster le Burkina Faso. Très tôt dans la matinée, autour de 5 heures du matin, le chef de Yirgu, 5 autres membres de sa famille ont été assassinés par des hommes armés non identifiés. À la suite de cet assassinat odieux, les membres des milices armées ont dirigé un grand massacre contre une communauté précise, à savoir les Peuls, et en visant essentiellement les hommes. Le massacre s'est étalé sur un rayon de 50 km, a concerné 50 villages. Les cris de détresse me parvenaient de partout et de tous les côtés. Il y a eu des marches populaires partout pour exiger vérité et justice pour les victimes du massacre de Yirgu et plus jamais ça dans notre pays. Je suis ici des métissages. J'ai un côté peul, j'ai un côté moi aussi, j'ai un côté Bissa. Et du coup, je peux dire que c'est cela qui a même milité en faveur à l'adhésion à mon appel pour créer le collectif contre l'impunité et la stigmatisation de la communauté. Une grande coalition inclusive, ouverte à toutes les communautés, pour faire face à la situation difficile que nous vivons. Ton nara docteur Diallo po penenta. Ciela kada yung la yunne ga wan la ni songo daba. Parce que de miyameti ton meng wa mangam. Ya toti gouvernement o sakte butum. Ton meng aham be yida. Ton pa gwan docteur Daouda Diallo zugu tibay. Ces milices d'autodéfense qui sont parrainées souvent par ces décideurs me menacent nuit et jour. Ils ont même diffusé mes images à travers les médias sociaux pour dire que
Je suis la personne à tuer parce que moi, dans mon rôle de défense des droits humains, je protège les terroristes. Il faut dire que c'est comme si je vis dans une prison qui n'est pas délimitée par des murs. Mais mon engagement pour les droits humains me donne une satisfaction immense parce que je me rends compte que de par mes efforts avec mon équipe, on arrive à secourir les victimes des violences, les victimes en détresse humanitaire. J'ai une soif intense de secourir à la vie humaine, à la dignité humaine. En réalité, les Burkinabés sont aujourd'hui vraiment unis et en réalité, si on fait des efforts, on sera plus unis à l'avenir.